XM50. But you want the back or it's okay? It's okay. Aujourd'hui, pour changer un peu, je suis venue faire une petite course sur le marché de Cogolin. Il a lieu tous les mercredis au cœur du village. Bon, là, je suis au milieu des épices, ça sent super bon la Provence, mais on va aller chercher les poivrons pour la recette du jour. À 3,60€, s'il vous plaît, madame. Madame, bonjour. Voilà. Toujours qu'on donne l'impression qu'il n'y a pas la bobine en train de filmer. On peut goûter une gousse d'ail. Regardez, madame. Juste une. Voilà ma petite gousse d'ail. Proprement. Merci, regardez, monsieur. Si, regardez, si vous voulez. Regardez, c'est du n'importe quoi. Hein. C'est les rois de la tarte. Se sert. Mais moi, je vais vous prendre un petit peu d'artichonnat parce que finalement, j'ai goûté et ça sert à quelque chose. Hein. Ah bon, l'artichonnat, elle est bonne? Oui, très bonne. C'est bon. Poivrons, on va aller demander. Bien, juste chercher un poivron jaune et un poivron rouge pour faire une petite recette. Comment on les choisit, les poivrons? Alors, pour les choisir bien mûrs, il faut que la texture soit bien lisse, oui, assez ferme, mm-hmm, et bien juteux, donc hein, plein d'eau quoi. Plein d'eau qui voilà, dégage si c'est frippé, d'eau. C'est que voilà, c'est pas... Voilà, c'est ça, frippé, c'est que c'est pas terrible. Voilà. D'accord. Vaut mieux les prendre là, voilà. C'est bien fait. D'accord, et c'est deux saisons, hein. Et c'est deux saisons, voilà. Vaut mieux les prendre rouge ou jaune parce qu'ils sont mûrs. En vert, c'est qu'ils sont pas encore mûrs. Vert, c'est qu'ils sont pas encore mûrs. Voilà. Je pensais que c'était des variétés différentes, en fait. Bah, on peut les manger aussi verts, on peut les manger, mais c'est parce qu'ils sont pas mûrs. Ils sont pas arrivés à maturité, c'est pour ça qu'ils changent pas de couleur. Par exemple, celui-ci, qui est moitié vert, moitié jaune, il a pas encore atteint, mais il est quand même consommable, il est quand même très très bon. D'accord. Même en vert, il y a des personnes qui préfèrent. Moi, je préfère le rouge parce que c'est plus sucré. Le rouge, un peu plus. Je vais vous en prendre un jaune et un rouge alors pour faire ma recette. Ça y est, j'ai fait mon petit marché. Direction les cuisines. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la recette de tartelettes aux deux poivrons et à la brousse. Donc on a nos deux petits poivrons, on va s'en occuper, on va les mettre dans un plat au four pendant 30 minutes à 180 degrés pour qu'on puisse leur enlever la peau. Donc pendant que nos poivrons sont au four, on va s'occuper de la pâte sablée. Donc on mélange tous nos ingrédients. Là j'ai mis la farine, le parmesan, on va rajouter notre poudre d'amande. On va déjà mélanger les ingrédients secs. Hop, voilà, on y va avec les doigts. Hein. Notre petite pincée de sel, qu'on n'oublie pas. Et là, on va mettre le beurre et les œufs. Deux jaunes d'œufs, donc on sépare le blanc des jaunes. Et on y va, on malaxe, jusqu'à former une boule. Au début, on commence du bout des doigts, pour bien tout mélanger. Et après, on terminera avec la main. Bon bah ça y est, on a notre pâte. Donc maintenant on va l'étaler sur à peu près 0,5 1 cm d'épaisseur. Bon, c'est un peu cassant, hein, c'est normal. C'est de la pâte sablée. Donc on va y aller comme ça. Pour qu'après on puisse détailler à peu près 6 rectangles de la même taille. Je l'ai étalé, je l'ai mis sur du papier sulfu, sur une plaque qui va au four. Et pareil, 180 degrés, là à peu près 10-12 minutes. Mais c'est pareil, c'est tout dépend de votre four. Hein. Vous surveillez bien la cuisson. Si c'est trop clair, vous laissez un petit peu. Si c'est trop cuit, vous enlevez. Vous faites comme vous le sentez. Donc on va s'attaquer maintenant, en attendant que tout soit au four, à la brousse. On mélange deux brousses. C'est pas compliqué. Donc on va prendre nos pignons, une petite poignée. On va concasser vite fait. Hein. Voilà. Pour avoir quand même des gros morceaux dedans, pour que quand on mange, il y ait quand même le croquant. Voilà. Donc la brousse dans le saladier. Donc on va mettre nos petits pignons.
un petit peu de miel pour apporter le sucré. Ça va changer avec le poivron. À peu près une cuillère à soupe. Si vous aimez pas trop le miel, n'en mettez pas trop. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive aussi, équivalent d'une cuillère à soupe ou deux. Bien sûr, du poivre et du sel. Et on mélange bien. Voilà, une fois que tout est mélangé, voilà, ça suffit. On place tout au frigo en attendant que tout soit cuit pour qu'il y ait bien ce contraste après de fraîcheur sur le sablé. Alors ça y est, la pâte est cuite. Alors moi j'aime quand c'est doré comme ça, quand c'est trop blanc. Je trouve que quand ça refroidit, c'est pas assez croustillant. Donc laissez bien dorer comme ça. Là, on va découper les rectangles pour faire notre petite entrée. Bon, bah voilà, on a détaillé les rectangles dans la pâte. Donc la pâte est bien dorée. J'en ai détaillé 6 à peu près. J'en ai gardé 2 pour la recette. Et avec les petites chutes, j'ai fait un petit sablé qu'on peut utiliser après pour la déco. Donc on va s'occuper des poivrons. Là, pour le moment, on laisse refroidir comme il faut les rectangles. Bon, nos 30 minutes sont passées, on a sorti les poivrons du four. Alors moi j'ai ma petite astuce pour éplucher les poivrons, c'est de prendre un sac. Bon là j'ai pris un sac congélation, un petit peu plus propre. Sinon vous pouvez prendre un sac plastique et je sais qu'à l'ancienne, les anciens ils faisaient ça dans le papier journal. Donc vous prenez les poivrons bien chauds et vous les mettez dans le sac, sans vous brûler. Hein. Là, ça va être hop là. Et donc vous refermez bien pour qu'il y ait toute la condensation qui se forme. Et c'est avec la condensation, ça va décoller la peau. Et une fois qu'ils sont bien froids, on peut décoller la peau tranquillement. Donc les poivrons, hop, on les sort. Et normalement, je dis bien normalement parce que des fois ça loupe. Non, c'est bon, ça se soulève bien et on enlève la peau au fur et à mesure. À faire, c'est beau et en plus c'est bon, et comme dirait Dédé, ça sent bon la Provence. Allez, à table Sabine.